Kari Voutilainen, vous avez été lauréat du prix Gaïa en 2014. Quel souvenir gardez-vous de la cérémonie? Pour moi, c'était une occasion, je trouvais, extraordinaire. Et puis une occasion, je dirais, un bonheur. Et puis je trouvais assez étonnant que mon carrière elle était présentée rétroactivement par mon ami François Erard. Mais voilà, c'était une occasion et puis un événement, je trouve, inoubliable. Tout ce qu'on a fait moi-même et puis aussi avec mon équipe, que le travail est reconnu et les récompensé comme ça, je trouve que c'est une récompense fabuleuse. Et effectivement, nous faisons le travail un peu contre-courant dans le sens qu'on fait les montres plutôt de manière artisanale, mais quand même de manière que nous avons nos propres productions en calibre. Vous êtes finlandais, est-ce que dans votre pays, vous avez eu des échos, des félicitations qui sont... Oui, absolument. Mes confrères, et puis l'école, et puis quelques clients qui suivent, et puis également la presse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux lauréats du prix Gaïa 2016? Féliciter déjà en avant leur carrière, et puis leur succès, et puis j'aimerais souhaiter un bel avenir encore après leur future récompense.